YouTube, dis coucou à YouTube. Coucou YouTube, Voilà, t'es une les pute YouTube. PD. Ah, tu dis pas ça, ils sont très gentils, ils sont juste pas là. Ah non, c'est des PD. Bisous, hein. Bon, jouons. Yes. Jouons. On va juste faire un petit peu de Destiny vite off. Prendre une petite heure et demie, ouais, c'est ça. Avant de commencer les vrais Wibri, comme on aime. Et j'ai un. Enfin, Hunter m'a proposé toutes ses amitiés pour m'aider. Parce que lui, il a déjà 50 heures de jeu. Plus. C'est gros nerd. Non mais oui, 50 heures sur Steam. Putain, mais j'ai toutes mes balances de sang qui sont pétées, ça me casse les couilles, sérieux. Dites-moi, est-ce qu'on entend bien? Est-ce que les sons ils sont bien? Est-ce que c'est propre? T'as qu'à monter ça. C'est 15. Oui. Ouais, mais c'est dire quoi, oui? Oui, c'est pas explicatif, oui, c'est pas bien, oui, j'aime pas, oui. Moi, je veux oui et. Ah, je suis un prof chiant, je sais. Oui, tu me détestes, oui, tu me lances des pots de colle. Musique est un peu forte, ok, donc c'était parfait avant. Du coup, attends, le jeu il charge. Parce que lui, Hunter là, il va filer tous les tips. Et puis moi, bah, je vais montrer le bon gameplay, hein, comme d'hab, comme on est connu pour. Ta voix 17% en dessous de celle d'Hunter. Ah. Après, tu peux baisser, hein. Ouais, mais. Ouais. En gros, tu vois, Hunter est 80% ton malade. Tu veux décacher? J'ai décaché si tu veux, j'étais malade moi il y a pas longtemps donc tranquille. J'ai du sirop. Yes, tu sais que. Oh là là, je chug du sirop comme un. Comme quelqu'un qui n'est pas bon. Baisser un peu. En fait, ouais, du coup, le truc c'est que, tu vois, en rentrant tout à l'heure, mon PC, enfin, le ventilateur de mon PC il a fait de la merde, probablement à cause de la poussière, où ça claquait, tu vois. Du coup, j'ai été obligé de débrancher le casque et d'ouvrir le PC pour régler le problème. Sauf Ouais. que quand j'ai rebranché le casque tout à l'heure, là, juste avant de lancer le stream, eh ben c'était pas reconnu. Ah. Ça voulait pas. C'est embêtant. Et c'est oui. Et du coup, j'ai galéré. Je me suis dit, bah attends, je vais essayer d'écouter mon retour micro, tu vois, vu que je peux le faire. Et du coup, je branche à mon micro. Et là, j'entends pas mon retour. J'entends le son le son de Spotify. Je fais quoi? Quoi? Nani? Mais du coup, je t'entends, enfin, vu que moi j'ai tout bas, j'entends vraiment super bas. Et j'ai l'impression que les gens ils entendent super haut. Ouais, C'est complètement t'es un niqué, peu fort, on sérieux. dirait, ouais. Et enfin, régler comme ça, c'est très dur. Enfin, Destiny, il faut que je fasse la réassociation de mon compte. Je crois que c'est fini ça, Dolly. Ouais, faudrait peut-être se dépêcher parce que je crois que oui, justement, il y a une grande chance que ce soit niqué, hein. Parce que. En plus, ça fait une semaine qu'il est sorti. Et je crois que ça se termine. Enfin, ça se terminait juste avant la sortie. Ou alors. Ah, je sais pas, j'étais sur le site tout à l'heure et ils m'en ont parlé vite off. Va voir. Dépêche-toi en tout cas. Je sais pas si c'est niqué ou pas, mais dépêche-toi. Du coup, tu conseilles quoi pour jouer? Titan, chasseur ou Arcanist? C'est quoi le plus sympa? Alors, ça dépend de ton style de jeu en particulier. En gros, le titan, c'est le gros bourrin qui va au corps à Ouais, corps. c'est tank. Oui, voilà, t'as le chasseur, DPS, c'est j'imagine. DPS portée. Et puis, En fait, si Arcanist, tu c'est veux, mage. ils peuvent tous faire, voilà, le même truc, c'est juste le de jeu. T'as coupé, j'ai pas entendu le Ah. seul truc important. Vraiment, hein. Alors, si tu veux, chaque classe a 3 ultis, on va dire. Donc, par exemple, le titan, il peut te balancer des marteaux à la gueule, te Ouais. frapper avec des points d'éclair. Ouais, ça j'ai vu chez Fufu, j'ai un peu testé, c'était sympa. Il a un shield pour se protéger et Ouais. lancer comme Captain America. Ouais. Je Le crois que chasseur, il j'ai. a le pistolet de feu, donc en gros, il te one-shot. Ok. Il a un bâton électrique, donc il court partout, il tape, etc. Ouais, c'est un Naruto quoi. Voilà. Et il a un arc qui te ralentit et qui te nique tous tes pouvoirs et qui te fait prendre plus de dégâts. Ok, d'accord. Et enfin, le Warlock, donc ce que je joue actuellement, deuxième perso, Ouais, il le a. mage du coup. Oui, il peut faire heal avec sa capacité de classe. Et
Il peut aussi te faire du... une épée de feu en volant, donc pour ceux de cette base. Ah, stylé ça. Il peut te faire une grosse bombe de une Nova, oui, on va dire ça, une Nova. Ouais, Et le troisième, il te fait Palpatine. ok. Ok, je vois. Merde, Et putain, mais. après, sur chaque perso, il y a encore un ulti en plus. Enfin, un pour chaque élément que tu débloqueras après que tu aies fini les trois campagnes du jeu. Ok. On entend bien Hunter parce que sur mon retour ça part dans le rouge et putain ça me casse les couilles sérieux. Pourquoi ça pouvait pas marcher? Je t'ai baissé un petit peu. Dites-moi salut Naito et ADC. Ouais. Forcément j'ai fait une petite blague sur Warframe. Attends, ils sont tellement inspirés. Il fallait. Du coup ouais, tout à l'heure j'ai vite fait tester Arcanist pour voir si le jeu il tenait en stream. Ça avait l'air sympa. Mais. Enfin c'est plus. Ça c'est vraiment team play quoi pour jouer Arcanist. Bon, en fait, si tu veux Destiny, tu peux jouer en teamplay, et puis pas du tout jouer en teamplay, tu peux carry tout le monde, quoi. Ouais. Ça dépend de ton skill, quoi. Vas-y, je vais jouer tank. On va faire un tank. Vas-y. Être Donc, par contre, parfait. je te dis, les titans, c'est pas les plus beaux, hein. Les armures. Ah ouais? C'est qui Ouais. les plus classes en armure? Y a un gros débat qui dit que c'est les Warlocks, et un autre qui dit que c'est les chasseurs. Donc, 50-50, je dirais. Mais c'est quoi qui change concrètement de l'un à l'autre? Alors comme j'ai dit, en gros le chasseur il sera plus agile, donc il aura 3 sauts, Non, mais il pourra dodge. je parle littéralement en termes d'armure. C'est quoi qui change Ah alors sur les trois concrètement des deux? sur les chasseurs en fait ils ont surtout une cape pour éléments distinctifs. Ok. Et sur les chasseurs ils ont sur les Warlocks ils auront un petit brassard. Hein, je ne dirai pas quelle couleur pour oui. Un brassard, vas-y, je vais prendre chasseur, c'est mort. Ah, je veux pas de brassard bizarre, moi, c'est mort. Je suis pas ce bord-là. Parce que Warframe, j'ai la flemme. Parce que Warframe, il faut farm encore plus que ce jeu à la con. Et qu'il est pas si mal que ça, Destiny en vrai. Et salut, Epso, ça va Oui. poto. Qu'est-ce que c'est que cette horreur que le jeu m'a mis? Non, je veux une femme. Une femme de couleur. Non, je veux un robot femme. Yes. Juste Yes. une alien. Faire vite fait. C'était pas une alien, c'est une éveillée. Ouais, pareil, moi aussi je fais ça le matin, tranquille. Alors dans le lore, C'est hein, pas pour autant que je chasse des trucs, hein. fais gaffe, je vais gueuler le lore, hein, attention. C'est que le seul truc que j'ai fait du bien, c'est la bêta avec la voix de l'autre con là, du nain, et c'est tout. Du nain. Ah, c'était Peter Dinklage, Dinklage, Ah, en oui, VO. peut-être. Putain, il... Non, Les en VO, personnages effectivement, Exit c'est con. Ah, mais dégueu celle-là. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, par contre, l'éditeur de perso, il est tout claqué, c'est le même que le 1. Ouais, c'est vraiment viteuf, viteuf quoi. Ah! Enculé! Simia, le roi du Bayou, ça fait plaisir. Vous êtes les meilleurs. C'est Cyber Compé. toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Du coup, on entend bien l'autre con qui est avec moi? Enfin, je veux dire, Hunter. Ah. Ah, blague, humour. Lul! Sub to me! Ah, la notif à la gueule, et putain, mais tous mes sons ils sont niqués, j'ai envie de mourir, sérieux. Mais vas-y, c'est que A1! Mais comment ça, c'est quoi tu. Quoi tu plais? C'était un. Ouais, c'était un sub. Mais non, mais c'est même pas, ça 0,5. Mais attends, mais ça a combien sur mon PC? Mais c'est même pas si fort que ça? Ah si, c'est à 70. Pardon. Oupsi! Vas-y, je vais mettre ça à 30, normalement, ça devrait être audible. Bravo le 1%. Hein. On entend bien l'autre con. Parfait. On l'entend moins bien que moi ou plus bien que moi? Si c'est moins bien que moi, je l'encule direct. Non, c'est l'inverse, merde. Visage. Mais je l'ai fini, Batman. Il y a toutes les rediffs sont disponibles. Ah, c'est les lèvres. Oh, il fout des trucs de pute. De toute façon, on ne la verra jamais. Puis les yeux verts. C'est dégueulasse. De toute façon, on pourra. Ça sera tout à l'heure. Oh, ça, c'est horrible les coupes. Ah, mais il n'y a rien de bien. Sachant que justement les éveillés ont des coupes différentes des autres races, enfin des Ah humains mais quoi. c'est claqué! Oh mais oh sympa Naruto! Oh putain c'est ah oh ah oh c'est dégueu! Eh mais oh, oh ça va bon ouais ouais ok ok Borderlands vas-y je vais prendre ça tout à l'heure alors là on passe vite fait ah c'est marrant mais tout à l'heure pendant 1 heure et demie on va faire un perso hein, et je rigole pas. Hein. Enfin, je crois que j'ai vu vite fait
la personnalisation de Code Vein et c'est un truc de malade. Oui, enfin, y a quand même un, deux, trois, un système de limite de points pour les accessoires. Mais oui. Oui, non, non, mais accessoires, ouais, non, mais je veux dire au niveau, tu sais, détail des yeux et toutes ces conneries. Putain, fais chier, la coupe, elle cache trop la tête. Je vais pas la faire y aller crâne rasé non plus, je suis pas un chien. Et vas-y, j'ai pas envie que ce soit une meuf aux cheveux bleus aussi. Ton perso est bleu. Oui, mais c'est pas parce que le perso il est bleu qu'il va à gauche. Ça me fait rire parce que j'imagine un système de vote dans Destiny, genre. Genre vraiment des gens qui se font chier à être président dans Destiny, tu sais. Ouais, alors quand tu vois que t'as une grosse boule comme être supérieur, bon, hein. Ouais, quand t'es gouverné par un monolithe, bon, je veux dire, tu votes ni à gauche, ni à droite, ni au centre, quoi. Ah, désolé, je fais chier, voilà, j'ai mis, hop, c'est parti. Ah, on peut faire plusieurs, enfin, on peut faire, je crois qu'on peut faire Oui. que deux persos. Trois. Ah, trois, c'est cool, bon. Hop, attends, je suis premier celui-là, viteuf, c'est pour tester. Oui, confirmé. Hop. Dites-moi si on entend bien le jeu. Parce que je répète, mais tous mes sons, ils ont été claqués parce que ma vie a décidé de faire change au dernier moment tout ton setup. Voilà. Et non, Naito, Arkham Knight, je peux pas le faire tourner. Enfin, je peux pas le faire tourner en stream. Du coup, it is not possible. Par contre, Asylum, normalement, il y a leur relief. Hein. Attention, gardienne. Ah, parfait, Dwelly. Tu viendras jouer avec nous. Enfin, plus de moi qui viendra jouer avec toi. Et y a pas de sous-titres. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher. Yes. Et y a pas de sous-titres. Mais quel plaisir. En fait, je suis votre spectre. Et vous, non, c'est pas grave. Disons simplement que vous mettra pas. Vous verrez que le monde a beaucoup changé. Voilà, alors savoir ça, petit, encore petit point lore, ça c'est le cosmodrome. C'est le. C'est trop dangereux ici. Le point de départ de Destiny 1. Parce qu'avec la release du free to play, ils ont changé un peu le lore au début. Alors, je sais pas si on t'entend. Tout va bien, je suis toujours. C'est vraiment, ça me casse les couilles. Parce que si je te mets trop fort, j'ai l'impression que tu vas hurler dans leurs oreilles. Et ben, les spectateurs n'ont qu'à dire, hein. Ouais, bah là, dites un petit peu. C'est juste pour vraiment pour aiguiller, parce que vu que je dois tout refaire à 100%, on va dire que tout seul c'est bien, mais à deux c'est mieux. Cet endroit est un ancien cosmodrome, une base spatiale. Pardon, juste mettre les sous-titres. Il est en quarantaine désormais, et assez dangereux. Mais le seul moyen d'avancer est de traverser ce mur. Oh, sous-titres. Père Kadaipu de sous-titres. On peut mettre les sous-titres? Si. Mat accessibilité pour voir. Non. Ah si, sous-titres. Si. Ah, d'accord, bah... Ok, je croyais que c'était activé de base, vu que ça me disait c'est bon, c'est en français, tranquille. Apparemment non. Normalement ça tourne. Bon, il va peut-être y avoir un petit peu de pixelisation, ça j'y peux rien. J'ai baissé un petit peu la qualité. Bon, ça passe. Mais sérieux, c'est... Ça me casse les couilles parce que j'avais réussi à bien gérer mon son depuis quelques temps. Là, j'avais de la chance, j'avais bien géré le truc. Et sérieux, vraiment, là, on a mis un coup de pied dans mon PC, il n'y a plus rien qui marche. C'est horrible. Je dois vous emmener à la cité. Et pour y arriver, il va nous falloir un vaisseau. Mais avant tout, je dois vous trouver une arme. Oui. Continuons à avancer. Merci, Spectre. Attention, ils sont tout autour de nous. Ah, oh, Spooky. Défoncer sa mère, lui, tu vois. Ah, tout à l'heure, j'ai voulu speedrun, je suis mort ici. Mais je vais nous procurer plus de lumière. Ah, j'ai vu là-bas, là, il y a une plateforme, j'ai sauté, mais c'est non, le c'est pas par là. Militaire, ok. Fil dénudé, oui. Ok. Après, un petit peu de mise en scène, oh là là. Attendez-vous à les en fait, comme j'ai dit, ça, c'est l'intro du A. Je me souviens de l'autre côté, mais pas de ça. Un fusil, attrapez-le. Quand tu sors, après. Ah oui. Ok, donc c'est bon, ça a pas remis mes touches. Il y a une raison pour laquelle je vous ai ramené à la vie, gardienne. Vous êtes une chasseuse. Cela veut dire que vous ne craignez chasseuse. Pas de prendre des risques. Je chasse des hommes. Et oui, je suis le Blue Hunter original. Oh merde. Élu ce con. Ah. Voilà, bon. Normalement, même avec le gunfight, ça devrait s'entendre. Absolument pas fait peur. C'est vraiment une merde.
c'est de me dépêcher pour qu'on joue. Restez avec Hunter. Si votre radar clignote, de toute façon, après, quand tu vas lancer Red War, t'auras quand même un autre tuto. Ah. Oui. Bon, de toute façon, on est surtout là pour des trucs de professionnels. Voilà. Bah, c'est pas... Hop, dans ta mère. Les déchus sont des pilleurs. C'est pas la thune déjà ou quoi ? Des pirates extraterrestres ramassant les restes de l'humanité. Bah ça c'est pas la thune ça. Il y a des animations différentes pour recharger. Ouais, pour recharger. Sur les armes, non, ça sera surtout sur les exotiques je pense. Mais par classe, ça reste à peu près le même. Voilà une cage de butin. Regardons ce qu'elle met. Mais sur certains revolvers, il y a des trucs pas mal. Yes. Certains revolvers que tu n'auras pas une. Attends, je vais augmenter ton son parce que moi je t'entends vraiment pas assez, c'est vrai. Ouais, il se bat aussi. En fait, c'est dire qu'il faudrait que je demande toutes les voix. Enfin, tout ma... genre j'augmente ma voix, je demande enfin, non pas la télé du coup, et que j'augmente le son du jeu pour que tout soit à peu près audible et que ce soit eux de baisser le son. Si c'est ça. Enfin, de toute façon au pire après je serai tout seul. Donc ça c'est pas encore trop grave quand on entendra le jeu. Encore des déchus, frappez-les avec tout ce que vous avez. Au moins j'écouterai la rediff puis je changerai la prochaine fois que j'aurai dessus. Parce que là, je pense pas que mon PC il va accepter mon putain de casque. Donc, c'est it is dead comme on dit. C'est mort à jamais. Ah, oui, j'ai un mec. Enfin, non, pas un magnum. Ah, c'est stylé. Tu bouges, je suis sûr. C'est stylé son ulti. Voilà, donc voilà, ça c'est le premier ulti que t'as. Tu n'as que 6 balles, mais en gros, ça one shot. Ouais, ouais, ça fait bien, bien des gros dégâts. Ah mais ça va, j'aime bien celui-là, il est assez assez complet. Et bien joué. Ouais, franchement le gameplay de Destiny c'est smooth, ça se fait quoi. Non, je veux corps à corps. Voilà. Tu devrais changer ta touche si tu peux. Ah, j'ai changé mes touches déjà, faut juste que je le fasse. Ok, c'est vrai qu'on m'entend moyen. Ouais, bah j'ai augmenté, je vais faire ça maintenant. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Hein. Du coup, attends, on m'entend moyen quand il y a la musique qui gueule. Du coup, je vais augmenter mon son à moi. Je vais mettre ça, à 2,5. Hop. Le son, je vais pas le bouger. Du coup, c'est juste moi qui parle plus fort. Et Hunter, on l'entend comment quand il y a tout qui gueule ? Ouais, voilà, et que moi dire, aussi hein. Je gueule. Comme ça au moins, parce que si on l'entend pas, je l'augmente un peu. En même temps, ça va nickel. Ah, parfait. De trouver un vaisseau à utiliser. Normalement, là, ça devrait être un peu mieux quand ça gueule. J'ai augmenté mon micro. Bon, de toute façon, je vais. Oh, mais il y a des gens. Avec Lucky Noob. Espèce de sale chien. Ah, c'est bon, il y a mon micro qui est activé. La situation se complique encore. Oh là là. Haha. Ah, ça j'en ai niqué un avec le perso de Fufu. Je l'ai démonté sa mère. Mais bon, Fufu il est déjà niveau 800. Non, 900 je crois. Il est 903 je crois. Bon, là ça ressemble plus ou moins à ça, Destiny. Et tu rajoutes des gros raids de 5 heures et c'est bon. Oh, tu sais, le raid le plus chiant, bah, le plus chiant qui est censé être négatant si je pas de riz. On l'a fait en 2h30 la semaine dernière. Oh, ça va! Avec Spider, il y avait qui encore qui connaissait pas? On était trois, il y avait trois mecs qui connaissaient pas le raid. Hein. Oh, ça va! On a dû expliquer. Oui! Surtout avec des mecs aussi compétents que ça. Ça va, hein! Il y a un seul truc que. Il y a un seul. Ah putain! Un seul truc que je regrette là pour l'instant, c'est la visée. Mais c'est parce que j'ai joué à Modern Warfare il y a 2 semaines. Ça prend trop longtemps à viser. Parce que moi j'aime bien faire clic droit et ça reste visé, tu vois. Et ça prend tellement de temps, c'est chiant. Il y a des armes qui ont des perks pour justement viser un peu plus rapide. Mais ah,
Ouais, mais ça doit pas être polichon. Par contre, je kiffais que quand tu tues, etc., ou avec tes pouvoirs, vraiment quand tu vises, c'est ça ressemble avec ça. Ouais, ouais, ça j'ai vu avec le lancer de couteau. Bon, après, c'est juste un petit stream pour montrer. Je pense pas, je sais pas s'il y en aura. Peut-être si on est déter avec l'équipe pour faire un raid ou quoi. Peut-être, mais sinon, peut-être le seul stream. Ou alors, peut-être en après-midi, tu vois, si. Si j'ai envie de farm ou quoi, peut-être que j'irai dessus. Mais non! Mais je veux. Mais non, oui, mais fait... ça arrive qu'à moi, ça, sérieux, hein! Le jeu a tendance à te buter par les trucs qui tombent en fait aussi. Mais non, mais gros, mais le truc il a explosé, je suis mort! c'est bon, oui. Quoi, non? Putain! Bon, la musique elle est cool, j'avoue que la musique elle est stylée. L'OST elle est hyper bien, ouais. J'avoue que là je suis dans le futur, là j'ai envie de tuer des trucs là. Tu vas voir dans l'intro de la guerre rouge, tu vois, ça va être pas mal. En plus, c'est vrai que là on a pas mal de trucs de dispo avec la version gratuite. Enfin, oui. Il y a un clip, putain, péché. Mais ouais, genre pour ceux qui. Oh, ça vient. Genre, moi, tu vois, j'ai pas. Oh, en fait, moi, c'est bon, tu peux tirer. Hein. J'ai pas deep direct dans Shadowkeep, tu vois. Mais avant de faire ça, t'as quand même pas mal d'heures de gameplay. Au cas où, y'a un mec qui connaisse pas Destiny dans le chat, tu vois. On sait jamais. Tu l'as acheté Shadowkeep, du coup ? Non, justement. Ouais. Pour ça j'ai demandé à 3 personnes différentes et t'as vraiment le temps avant de pouvoir l'acheter quoi, genre... Oui. Et comme je dis là, tu peux te barrer. Hein, en fait. Ah, il loue du saut. Mais c'est où la fuite? Moi je suis bon en fuite avec ça. Appuie sur tab et tu verras le marqueur. Ouais, c'est bon. Ah du coup moi j'ai changé comme un gros guet, j'ai mis violet. Pour mon petit PHUD, j'aime bien. Enfin, HUD pour mon... La promesse d'un avenir meilleur. Et le voyageur. Bon, viseur. Attendez un peu de le voir. Ah oui, ok. Ouais, j'ai pas envie de laisser en blanc comme un mec qui aime le vanilla, tu vois. Je suis pas vanilla, moi. Moi, je suis un déviant. Moi. Putain. Quoi, eh oh. Il est très joli le violet. Je t'emmerde, moi, monsieur. Merde, bon, c'est pas grave. Ta mère. Ah, même le bouclier il traverse, nique ta mère. Et nique ta mère, ah, je suis un génie. Merde. Oui, en fait, si tu veux, là, le bouclier hein, c'est une protection. Et vu qu'en fait tu fais du feu, si le bouclier. Il était rouge, hein, non, il était bleu. Non, il était blanc, je crois. Blanc, donc c'est électrique. Bleu, blanc, ouais, c'est électrique. Du coup, il y a un système aussi avec les boucliers et les armes élémentaires. Mm-hmm. Donc feu, électrique, Nova. Et je crois que j'en oublie un. Non, c'est tout. Et si tu pètes un bouclier qui a la même couleur que ton élément, donc feu rouge, bleu électrique et violet, bah Nova, tu fais une explosion autour du mec qui passe son shield. Okay. Et il prend plus de dégâts. Oh, stylé. Alors, il y a une voix maintenant. On parle. Mais qui? Ah, putain. Il vient de parler, perso. Attends, il vient de parler. Bah ouais. Il a dit quoi? Il a dit ça peut voler. Gros, je croyais que c'était 100% muet, moi. En fait, si tu veux, ils ont donné genre 5 lignes de voix à la dernière extension, il y a genre un an. Et là, ils le font aussi parler un peu. Genre, aussi 5 lignes. C'est trop bien. J'ai vu aussi un petit peu au niveau du baissière et ça a l'air tellement ouf. Il y a des trucs assez sympas, ouais. Mais en fait, ça me fait un peu penser au. Tu sais, à la bande. Non, pas la banderole, mais. À la bande qui vendait avec. Enfin, la bande. Yeah, Destiny 2. Le poster qui vendait avec Borderlands 2, je crois. Avec tous les mobs. Mais je pense que avec Destiny, ça serait pas loin d'être la même chose. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'ennemis différents. Oui, mais après, ils sont surtout. On va dire le même modèle pour type d'ennemi quoi. Ouais, mais. Je ne vous connaissais pas. Mais en boss, oui. Lors de votre première vie, vous avez péri au combat bien avant mon arrivée. C'est quelque chose de spécial qui nous a réunis.
Le crack ? Il l'appelait la le coke ? Voyageur. Non, je sais pas. Et son arrivée. D'ailleurs, en parlant de crack et de coke. Changea votre monde. Ah. Non, non, mais. Ah. Alors. Alors, Yadar, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Vite fait, la rediff. Non, non, mais c'est juste que je suis rentré un peu tard de la fac, tu vois, aujourd'hui. Et moi, j'avais prévu de regarder El Camino avant de streamer, tu vois. À la poursuite du voyageur. Et j'ai pas pu. Et il me reste 46 minutes de film à regarder. Voilà. T'as vu ce que je fais là pour vous ? Là, pour animer votre belle soirée, ainsi que la mienne. Lui permet d'écraser son ennemi de tout. J'ai juste envie d'allumer Netflix, là. Et donne avis au spectre. Il est tellement bien. Je suis un spectre. Mais surtout... Bon, allez pas le voir maintenant, SVP, je vous en supplie. Et vous faites partie de ceux que le voyageur a... Je crois qu'il manque 4 ou 5 épisodes sur... Non, je dis plus pour Breaking Bad. Les gardiens. You are the guardians. Yes. Mais je peux aller looter, s'il te plaît. Et ceci... Ah, t'inquiète, le loot, il va arriver, le loot. Ouais, j'ai vu les quêtes chez Fufu. Franchement, je sais pas. Nager dans de la farine, ça a l'air plus facile. Oui. Yes. Plein de trucs. La semaine prochaine, je serai pas là. En plus, le truc qui est rigolo, c'est qu'ils sortent Destiny. En même temps, moi, j'ai repris Yakuza Kiwami. Et il y a Death Stranding qui sort le mois prochain. Et il y a Modern Warfare qui sort le mois prochain. Les derniers survivants de l'humanité considèrent la cité comme leur foyer. J'ai pas le temps. Il y a trop de choses à faire. C'est trop long. Please. C'est pour ça que je vous ai fait revenir. Pour les défendre. Et récupérer nos mondes perdus. Yes, vive la Terre, nous allons sauver la Terre. On va sauver la Terre ? Ça veut dire qu'on sauve la Terre. Le voyageur. La dernière cité. Un jeu qui se respecte, oui, hein. Yes. Bienvenue chez vous. Vive les terriens. Ah, moi je suis prêt à découvrir des extraterrestres, hein. C'est parti, hein. Dit-il en jouant un extraterrestre, justement. Eh, mixité ou pas mixité ? Eh oh. La méga forge à la pointe de la technologie et du progrès. Bon, est-ce qu'on rejoue le copain ? Est-ce qu'on tue les trucs ? Ah, c'est tellement bien, ça va rendre les altabs qui sont frais comme les fruits de mer, sérieux. J'adore pouvoir altab tranquillement sans que le jeu il me crache à la gueule. Oui. Ouais, quoi que ce soit dit, la semaine dernière, il m'a fait un petit écran bleu hein, pour un altab, le jeu. Ah, j'ai pas peur. Non. Oui, non, justement, oui. Ah, j'ai pas peur du tout. Mais après, là, le jeu, il est lock en 30 IPS, il n'y a pas de soucis. Là, si j'ai un blue screen... Ah, dégueu. Ah, dégueu. Oui. Ouais, si j'ai un blue screen, c'est chaud. Alors, tu peux quand même mettre ton casque quand tu es dans les... Ouais, alors dans ouais, les je vais faire ça parce que c'est vraiment horrible, en fait. Alors, tu vas dans... Non, dans les options, non, oui. Options paramètres... Jouabilité, accessibilité. Je crois. Ah, accessibilité. Non, jouabilité, t'avais raison, oui, ouais. Casque. Juste sous la couleur du curseur. Ouais. Toujours active, voilà. Ah là, bah ouais, bon, là on dirait que je suis un esclave, mais ça marche. Comment je passe de troisième personne alors à la première? Dans les endroits comme ça, tu ne peux pas. Je peux pas, ok, d'accord. Alors, ce que je peux faire là, c'est t'orienter déjà. Tu vas prendre bah, toutes les quêtes que tu peux là, toutes les icônes. Je vois tout le monde. Bienvenue. Voilà. Tiens, bonjour. Ah, yes, ma récompense de. Je me suis inscrit. Oh, sick. Bah, merci, Caddy. Haha, comme les courses. Ouais, je me casse. Everversum est à votre service. Oh là, oh là, oh là, non, oh là, le shop, allez, oh, allez, GG Noro, je me casse. Bye bye. Hey, tu veux payer, vu qu'on est passé en free to play? Voilà que non. Allez, viens. Je m'en fais. Allez, viens. Allez, Banshee, donne-moi des bons. Okay. Donne-moi des... Putain, il est trop stylé. On dirait. On dirait le perso principal dans Transformers. Non, pas chier à la buff. Optimus. Non, bah non, pas Optimus, t'es con quoi. Bah, le principal. Il est jaune. Il est noir. Le premier est Transformers. C'est pas le principal. Oui, enfin, oui. Mais... Ça dépend le point de vue, mais oui. Ah, si, bah, si, dans Transformers 1, c'est le principal. Oui, ça dépend du point de vue, comme j'ai dit. Récompense de faction. J'en fous. Une quête. Je me casse.
Logo Destiny, là-bas. Elle est bien, la petite musique de Hub, c'est mignon. Alors, c'est pas très Destiny, mais c'est mignon. Pour les Arraques. Oh, par contre, c'est complètement stylé. Oh, c'est complètement stylé, la ville. Le contrebas, là. Je comprends ce que vous ressentez. J'imagine que c'est pas explorable. Vous arrive-t-il de vous demander ce que je ressens, hein, moi? Pardon? La ville en dessous, j'imagine que c'est pas explorable. T'auras une map dans la campagne, dans la ville. Ah, parce que c'est complètement stylé. Oui. Bienvenue à la tour, gardienne. Oui, je veux la quête. Belle vue, n'est-ce pas? Oui, oui, ouais, je viens de le dire. Le voyageur porte les marques de la guerre, mais il n'en est pas moins mystérieux. Ok, plein de trucs. Il reste d'ailleurs la source de notre immortalité. Et le cadeau. Du coup, pour les trois qu'on part encore jouer à Destiny, maintenant il y a un Battle Pass. Voilà. Tous ses habitants. Qui est pas trop chiant, hein, franchement, comparé à certains jeux. Ah non, Funeral, il m'a montré, il est même très bien. Tout ce qu'il reste de l'humanité. Oui, oui. Et il est de notre devoir de la défendre afin de reprendre notre système solaire des mains des ennemis se trouvant. Et encore, je joue pas tous les jours. Découvrez la tour. Ouais, ouais, en plus. Et puis il va vraiment loin. Il va plus que. Enfin, plus haut que level 100, je crois. Retourner au combat. Non, j'ai une longue liste de cibles après, y a du difficile qui vous attend. Perpétuel, on va dire infini pour choper la chine, etc. Avec une escouade. Non, c'est bon, ça, j'ai pris la quête. Alors, hop. Ça, c'est bon, tu es bon pour lui. Rouvre ta map entière, oui, tu vois les petits points. Ouais. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'on voit tout. Donc. Alors tu vas aller sur ta gauche, okay. Où c'est qu'il y avait l'armurier. Tu vas descendre l'escalier pour aller parler à Ikora, pour justement encore les caisses, avant de parler à Holiday. Merde, c'est pas là. C'est pas là. Ah merde. Ah, bah non. Quelle gauche? Alors qui crée des problèmes? Et oui, Kara. Attends, je suis perdu. En même temps, je suis perdu. Je me suis perdu dans le hub. Please help. Voilà, bébé, t'es où? Je veux te parler, je veux faire des quêtes. Pourquoi est-ce super loin? Où je vais? Ah, oh. Oh, le hangar. Ah, c'est bon, c'est ici. C'est bon, je sais ici. Là, oui, c'est le hangar du coup. Donc, c'est là pour lancer les quêtes. Alors, passées. Amanda, je m'en fous. Je vais vous aider à repartir dans les. En gros, c'est elle qui va te lancer la guerre rouge et les autres DLC. D'accord, ok. Donc, faut que t'ailles dans l'autre gauche. Et merde. Putain, fais chier. T'aurais foutu le curseur sur les icônes sur la map, hein, t'aurais su. Ouais, mais je peux pas. Je peux les garder activés. Attends, comment j'accède au journal des quêtes? Alors tu ouvres la map aussi. Et tu auras quête en haut à gauche. Si on va. Hop, ouvre la carte. Non, ouvre la map, oui, longtemps, voilà. Quête. Et ouais, quête principale. On s'en fout de ça pour l'instant, va quand même parler à Ikora. Ah bah si, mais si, j'ai une quête où je dois parler à Ikora. Oui, bah justement, c'est pour ça. Bah, je vais l'activer. Oui. Hop. Repère le ciel, t'es perdu, cherche ta polaire. Je suis pas bon en géographie du ciel. Pas Marco Polo, moi. Putain. Qui est que se faire enculer, Netflix? Bah. Alors, attends, bouge plus. Tu vas vers l'armurier. Okay. Là, le Optimus Balma, lui, là. faisons comme ça. Tu verras, il y a un petit escalier sur sa droite, enfin oui, voilà le couloir, ah ouais, avec bon. La lumière rouge. Voilà. Bon. Oh, vas-y, mais mon stream il est sans délai, c'est lourd. Après, ça se trouve, c'est peut-être moi qui a pris du. Non, mais non, quand t'as dit ça, je venais d'y aller. D'accord. Il y aura. Je lance mon copain. Mais pas trop fort. Tu vas voir, de toute façon, c'est la Renoir qui chauffe, enfin qui a la boule. Oh yes. Enfin, je veux dire, ah oui, cette personne de couleur. Bonjour. J'ai entendu dire que vous aviez survécu au cosmodrome. Oui, j'ai survécu au cosmodrome. Pas idéal pour démarrer. Donne-moi mes règles. Oh. Ah, offensive Vex, dis donc. Voilà. Mais ça, c'est pour. Ouais, pas pour l'instant, c'est pas peine, tu vas pas en rencontrer des masses. La dernière cité. Ses habitants. Attends, mais alors, si tu veux un autre petit poil or, mais sur l'or. Mais il n'est pas sûr.
En gros, 1, 2, 3. Maintenant, Destiny 2, quand tu es un nouveau perso, un nouveau joueur, il ne prend plus en compte que tu as fait Destiny. Il prend en compte que tu es un péon random. Oh, c'est cool ça. C'est, oui, c'est cool, mais bon, c'est après, comme je dis, par exemple, moi qui ai fait un troisième perso, ouais. ça me la met un peu mal de savoir. Oui, bah, oui, que, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as perso du 1, cul, quoi. Ma classe du 1, bah que. Voilà, c'est. Ah, ouais. je ne suis pas le gardien, etc. quoi. Ouais, 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 ça la fout un peu mal, je peux comprendre. Ouais. Du coup, maintenant, je fais quoi? Je fais un backflip ou on peut. Là, tu peux retourner vers voir Amanda pour lancer les 4 passés. Bien. Celle que je viens de quitter. La blonde dans le regard, oui. Ouais. Génial. Super. Ça fait 5 minutes que je joue, j'ai déjà 15 millions d'allers-retours à faire. Quel plaisir. Est-ce que tu veux que je te montre mon charge de quête, poteau? Non. Non, parce que j'ai pas envie de faire un infarctus. Voilà. De toute façon, je pense que. Ouais, je pense que je recréerai un perso et je ferai tout ça au calme. Là, c'est pour montrer un petit peu et s'amuser vite off. Comprendre un petit peu les bases comme ça, moi je serais pas paumé quand je jouerai bien. Hop. Et j'ai retenu le chemin pour au hangar quand même. Ça c'est bon, c'est bien. Je m'améliore. Amanda! Amanda, je veux jouer. Je veux tuer des. Amanda! Des aliens, s'il vous plaît, vite. Alors, tu vas prendre la quête sous l'icône rouge, la guerre rouge normalement, c'est. Et c'est parti. Rouge, guerre rouge, hein, c'est pas difficile. Attends, parce que déjà. Ouais, classique, la guerre rouge, it is voilà. Done. Ok. En gros, tu vas voir dans tes quêtes ce que ça te demande. La Légion rouge attaque la cité, il faut riposter. Dites-moi si vous n'achetez rien. Ok. C'est le travail qui m'attend. Alors, la grande map. Pour la grande map, s'il te plaît. Non, c'est pas la grande map ça. Si, c'est ça. Et tu vas aller sur destination. Ok. Ok. Et si tu as sélectionné. Bah, la lune du coup, non, ah, non. Ah bah, non. En fait, non, du coup, c'est sur. Non, c'est la tour. C'est dans la tour. C'est dans la... Tu vas sur l'icône rouge. Dans la tour. C'est quoi si je suis en sélectivité, je me TP? Oui, en gros, ça va te charger la quête, quoi. Ah yes. Oh, quel plaisir. Comment je t'invite maintenant? Là, je crois pas que je puisse te rejoindre. Ah, c'est encore. Oh, bah, de toute façon, je suis en cinématique. Oui, voilà, je t'invite. De toute façon, je suis en cinématique. Oh. Eh, c'est pas mon. C'est pas mon perso, ça, il y est. Oh. Non. Pourquoi lui, il a le classe et moi, non? C'est pas lui le traître dans les trailers. Ça me fait mal de l'admettre, mais ça c'est le meilleur. Impressionné, Cade? Si tu crois que j'ai que ça à faire. Trêve de plaisanterie. Zavala, je suis tout à fait sérieux. N'empêche, tu vois qu'Ikora avait plus de cheveux dans le passé. Ikora, vous avez quelque chose? Ah. Les systèmes de défense ligne d'horizon. Ah, et puis lui, il a le bleu pareil que toi, c'est un gros connard. Oh, tiens. Aucun capteur. Mais pas dans le connard genre synthète, hein. Connard, c'est genre un connard, quoi. Serait-ce de type racial? Peut-être. Ah non, vu que je joue aussi un éveillé. Des infos des satellites. Genre tu vas pas me snober là. C'est bien, non? Non. Il n'y a vraiment. Si tu veux, je peux te montrer. Hein, j'enlève mon casque, tu examines tes persos. Bon, hein. Ah oui. Pour te prouver de bonne foi que je suis comme toi. Nous ne sommes pas si différents des Yadar. Eh, franchement, ils ont fait du bon boulot quand même au niveau de la mise en scène. Hein. La cutscene bizarre, hein. Quoi, bizarre? Bizarre. Ah, bizarre. Excusez-moi. Non, mais c'est moi qui. Ton son, il est vraiment faible dans mes oreilles. Ah, non, ils ont eu un bon petit boulot. Ça trouve pas autant le cul que chez Bizarre, mais c'est pas mal, j'aime bien. Bah, surtout que c'est bizarre, c'est quand même bizarre, mec. Hein. Ah bon? Bah oui, Activision Blizzard, hein. Ah. Bah il était sur le... Ah, Battle Launcher, hein, Battle.net. Ouais, non, mais oui, c'est vrai qu'ils ont dû aider pour les cinématiques au début. Bah, tu vois quand même, il y a une petite patte graphique... c'est pas autant détaillé, quoi, c'est que je veux dire. Excuse-moi... Mais c'est pas mal, oui, non mais... Oui, non mais je dis c'est pas détaillé, mais c'est clairement, c'est pas dégueu, clairement.
trouve un temps stylé. Et merci, merci Slice, c'est un plaisir. Ça chez Jean Aloha, bah. Attends, Cortana. Oh, Cortana Mouya, elle a pris un coup dans la gueule, hein. Dis donc. Eh oh. De quoi, dis donc? C'est toi qui veux lui mettre son coup dans la gueule. Petit cachotier. Ouais, bon, non, merci. Je suis pas un gros fan d'Alou comme certains. Hein, merci pour le sub. Et ça va le son maintenant du sub? Il était pas trop fort? Moon's ended. Fuck nigga shit. Elle est stylée la map de la lune. J'y étais un peu quand j'étais chez Funeral et c'est joli. Oui. C'est... Et elle est explosée partout mais c'est joli. Ah oui, un peu. Sachant que c'est la même que le 1. Oh les... Oh là là, le plan là avec toute la neige et le... les éclairs bleus là. Ah. Les éclairs bleus, j'ai eu des grosses vibes le roi Lich. Alors, crossover quand? J'attends. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? Vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite? Eh ben oubliez ça, foncez. En tout cas, il ressemble à rien. Il ressemble à que dalle, mec. Ah, tu y as fait blond platine les cheveux. Non, c'est gris. Ah. Non, c'est blanc, blanc gris. C'est lieu de mourir à ça. Non, mais de toute façon, on fera un truc mieux, on fera un truc mieux. Bon, on sera oui, mais on fera un truc mieux tout à l'heure. Salut toi, bah ouais, ça va, tranquille, ça va, tranquille. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais ça va, tranquille. D'ailleurs, aussi, je préviens. Quand je dirai haha, bisous, à tout de suite. Pour aller faire un café, chercher à manger, aller aux toilettes, prendre une douche, enfin ce que tu veux. Parce que le jeu Code Vein il prend littéralement 28 ans à lancer. Pour des raisons que j'ignore. J'ai pas l'impression. Ah si, non, mais je te dis, chez moi il prend 15 ans à lancer. Ah oui. Putain, la roquette qui passe entre les jambes du mec, il fait chier. Du coup là je suis encore solo et tu pourras me rejoindre qu'après? Ouais. Ok. Je sais pas si t'auras le temps de me rejoindre avant que je coupe, mais au moins tu m'as aidé. Non, bah j'ai pas mis sur la SSD. Bon. En même temps, bon, le jeu, voilà, quoi, comme d'habitude, hein, c'est bien que ça n'a pas de sens. Généralement, les cabales conquièrent des systèmes en faisant exploser ces planètes. Ils veulent sûrement quelque chose qui se trouve ici. Non, tu es mort là, tu es mort depuis 20 minutes. Non, alors ça, c'est la magie du script, mon voyageur. Ouais, je ne la connais que trop bien. En plus, mon SSD, c'est qu'un petit, c'est vraiment pour. Tous les gardiens sont attendus sur la pour place. Mettre CS et mon OS. Pas plus. Putain, par contre, tu peux tellement bien master shooter avec ça, c'est tellement cool. T'as pas encore vu certains revolvers plutôt. Salut vous deux, une seconde. Ah, c'est quand même beau la magie du script. Zavala joue au héros sur la place. Et moi j'ai un rencard avec celui qui est derrière tout ça. Ça peut vite expédier. Cours, pied tendre. Tu butes pas, Kaïd, fais gaffe. Ah, mais c'est des gentils. Oh, qu'est-ce que. Tu sais que ça me fait vraiment chier que Modern Warfare il soit à 75 putains de gigas. Dans mon arsenal. Oui, continuez à avancer. J'ai vraiment tellement envie d'y jouer là. Rien que le petit animation de baissage d'armes là, mais vas-y, mon Zizi, il a fait 1-2 direct. Là, il parle, et il sait compter même. Plus intelligent que moi, le mec. C'est normal, si je joue un petit peu, je fais pas vraiment attention à toi. C'est normal. Ah putain, hop. Oui, je sais comment on sprint, hein, merci. C'est quand même 15 minutes que je joue là. Bon, plus 45, mais... Aïe. Oh, c'est joli l'effet. Ok, 2 armes et j'en ai. Oh, bah il est mignon. Oh, c'est mignon. Voilà, ça, là maintenant ça t'explique le système d'armes à énergie. Ouais, donc, ouais. Pistolet, voilà. Ah, ça explique qu'il y a certaines armes qui feront plus de dégâts que d'autres sur certains ennemis, quoi. Voilà.
voilà, enfin, sur les boucliers, voilà, oui. Elle a un bruit mignon en plus. Bon, j'arrive pas à me prendre une rafale dans la gueule, mais un bruit mignon. Give me the money. Give me the money, bitch. Ah, c'est bon, ça s'ouvre bien d'ailleurs. Ça doit être leur vaisseau mère. Pan, pan, rendez-vous. Eh, hey, c'est moi le héros, rendez-vous. Ouais, bon, c'est un Dreadnought, poteau. Hein. Sortez. Drapeau blanc, tout de suite. Et moi qui décide. Faudrait littéralement, je pense, un trilliard, voire plus, d'armes comme la tienne, pour faire au moins un peu de dommages là-dessus. Un trilliard, je pense, c'est gentil, hein, vraiment. Oui, c'est. Je sais même pas si je fais des petites éraflures sur leur truc à la con. Hein. Je crois même que ta balle elle a tellement plus de puissance. Je pense qu'elle a juste ricoché, tu vois, elle a fait de plus. Oui. Genre un mec qui nettoyait la vitre, ça a juste un peu fait peur, tu vois. Chier. C'est lui, t'as mis ça, poteau. Ouh là là. Ah, tu feras gaffe, les grosses boules, oui, ça a tendance à te tomber sur la gueule. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais c'est quoi le truc qui est en train de manger la lune là? Ah, alors en gros, la lune, si tu veux, c'est le voyageur, donc le traveler. C'est ce qui te permet d'avoir tes pouvoirs de gardien et accessoirement de te faire revenir la vie si tu meurs. Ah! Et bon, on va dire qu'un truc qui se colle dessus, généralement, c'est pas très bon. Hein, bah oui, enfin, on dirait un gros facehugger qui insémine la lune là. J'aime pas moi. Bon, laisse, pas ne touche pas à ma lune! C'est pas tant que ça insémine, c'est plutôt que ça pompe des combattants d'élite de puits. Selon les rumeurs, ils n'ont jamais perdu un combat. On va dire ça, oui. Car aujourd'hui, mais ils affrontent les gardiens. Taille lunaire. Mais ils attaquent le voyageur. T'imagines un petit futur de la table de la lune. Oh. Protéger la population coûte que coûte. Ah, finalement, j'ai pas de droit. Oh. Tu sues à perdre de vue. Oh, c'est bon, c'est rigolo. Ouais, le zizi. Oh, c'est le bordel. Attends, où est-ce que c'est pas le bordel en dessiné? Ça. J'arrose. Mais bon, la passe. Tu devrais rester vers Zavala. Hein. Je dis ça, Zavala. Je, du comme ça. Hein. Sur la. Pas mal, voilà le gros point là-bas. Ouais, le couteau il est passé crème. Hein. J'ai rien dit mais je suis fier. Calme-toi. Je te carré un peu, Zavala, j'aime pas ça, t'es un héros quand même. Hein. Non, c'est un NPC, ah bah, c'est pas pareil. Non, mais c'est bon, il a agi, regarde, j'ai parlé, il a agi. Voilà. Oui, voilà, c'est pour ça que je te disais de rester vers lui. Ouais, mais je savais. Du coup, elle est longue comment la. Je vais se le scénario. Ouais, on va dire c'est du halo quoi, c'est du Bungie donc c'est du halo en durée. Ouais, une petite dizaine d'heures quoi, ça va. Oui, si tu traînes un petit peu pour. Ouais, moi je traîne ce genre un petit peu. Donc ouais, t'auras pour ton temps. Hein. Ouais, ça va, c'est cool. Franchement, tout le contenu gratos c'est quand même un sacré plaisir. Enfin, le. Tout le contenu qui est passé gratos, qui est assez fat, c'est quand même assez plaisant. T'as de quoi de bien faire déjà avec le jeu de base, mais c'est ouais. On reste ici, puis je m'occuperai de ce vaisseau mère. Toi tout seul, comme un grand. Même pas il meurt. Des missiles, restez sous mon bouclier. Oui. Oui. Il est où ton bouclier, s'il te plaît? Ah là, merci. Bon chien. Aïe. Ouais. Attends, mais il s'est fait goumer là. Oui, oui. Oui, des fois ça lui arrive. Attends, mais il s'est fait. Ah, c'est vrai. Ok. Ouais, j'ai. Voilà. Moi, il perd, non, jamais. Et en gros, voilà, c'est ça le pouvoir de la lumière, c'est que tu peux revenir la vie. Ouais. Mais oui, en fait, ça, des fois ça lui arrive de se faire buter. Ça va là. Parce que c'est un gros mauvais. Oui, bah après, quand t'as tout payé, Vitomite, c'est que. Soit tu l'as day one, soit tu l'as day plus un an. Soit t'es juste con et tu l'as acheté il y a 3 semaines quoi.
On s'en charge, commandant. Et encore, je suis un peu... Des missiles, attention. C'est... Depuis quand il est plus payant, le jeu? Jeu de base, bah, depuis la sortie. Encore des capsules, allez-y. Ouais, mais... Ah ouais, ouais non, c'est bon. Je me disais qu'il avait arrêté de le mettre en vente, tu sais, le temps que ça passe de payant en free-to-play. Non, pas du tout. T'inquiète, depuis 6 mois avec extension, bah, ça va. T'as eu le temps d'avoir quelques exotiques, hein. Exotiques. Avec beaucoup trop d'entrain, mais... Allons-y. Où ça? Où ça? Où ça? Allons... Où ça? Où ça? Où ça? Là, tu peux partir, maintenant. Où ça? Ah, là-bas. Bon, tu viens appeler et baguette de pain. Et, au revoir, bisous. Ouais, t'inquiète, je me casse. Bah, c'est un robot. Mais c'est la guerre. Mais va-t'en, robot. Mais... Ah non. Bah. Ah. La bannière de fer, yes. Ah bon. Nicora, le guide a disparu. Ah par contre le quatrième bat les couilles. Et c'est pas un truc ce que tu fais, montre un peu des skills. Je ne t'accorderai aucune pitié. Ok Anime-kun, aucun problème. Ça va là. Elle s'occupe du guide. Voilà, vous devez vous rendre sur le vaisseau mère. Ah ouais, 92. Ah ouais. Rendez-vous au nord de la tour. J'envoie Amanda Olivier vous chercher. Alors, petit tip aussi, tu as un système de points faibles hein, sur chaque ennemi du jeu. Ouais, ouais. Donc, par exemple, là pour les cabales, c'est la tête et. Enfin, c'est normal, donc c'est humanoïde. Mmh. Et derrière, ils ont une petite grille d'aération, on va dire, de propulseur pour faire plus de damage. Et est-ce leur que, sable, oui. Est-ce que chaque ennemi a son petit truc comme ça? Oui. Tous. Ah, c'est, ah ça, c'est un petit détail, j'aime bien ça. Et salut Fufu. Par exemple, là, les lance-flammes, par exemple, c'est la tête. Et les bombes de gaz, ouais. Ils ont ah pas non, la grille. J'aime dedans. Bien que petit détail comme ça, moi c'est un truc qui me remplit de joie. Il faut s'occuper de ce vaisseau. Oh là, je suis vraiment trop fort. Ah oh là, bah pas du tout en fait. En fait, si tu veux, t'as le niveau 750 fois plus élevé que ce qu'il te faut. Hein ouais bah oui du coup oui parce que là normalement c'est niveau 1. Mmh, enfin littéralement ça. Quoi. Mais vu que tout le monde commence comme si bah c'est le niveau de endgame en fait. C'est ça, pas bah le niveau endgame de la campagne j'entends. Hein. Oui. Tenez bon derrière. Au moins ça rafraîchit de la mémoire et puis bah ça te permet de rentrer un petit peu dans le jeu quoi. Oui. Genre là après le stream bon bah je finis le bio hein. Hein. Puis après, bah, je vais aller sur Destiny jusqu'à 7h du mat demain. Hein. Allez, mec, j'ai 2 litres d'Ice Tea, franchement, c'est bon. Hein. Je peux te dire. Moi, je suis chaud. Salut Elda. Elda qui a plus de 50 heures, pareil, sur Steam. Voilà. Là, faut que je rattrape tout ça, moi, en temps haut. Faut que j'aille charbonner après. Ok, derrière. Mettez-leur quelques pompes pour bien placer. Oui, madame. Ça va, Elda? Et ça va, Fufu? Ok. Prévenez-moi quand les boucliers seront désactivés et on frappera ce vaisseau avec tout ce qu'on a. Alors, ok. Let's go, hein. Putain, c'est pareil que dans... Non. C'est pareil que dans Black Panther, mais. Wakanda, oui. Non, pas de vanne. Une base, c'est juste. Je trouve le système pareil. T'as dit espèce de raciste. Hein? En gros, ça hein, c'est. T'étais pas loin du Ibambé là, hein? En gros, ça c'est le système pour lancer des grosses capsules boules. Ouais, que je recevais dans le visage. Cet hologramme pourrait nous aider. Laissez-moi regarder. Hack, vas-y, hack. Tipoui. Oh merde! Bon, oh, le générateur de bouclier devrait se trouver dans la cale inférieure du vaisseau. Ah,
Ouais, je m'en fous du loot pour cette partie, hein. Oh là. Oh là, oh. Dis donc. Voilà, donc là par exemple, voilà, faut changer pour ton arme énergétique. Et une fois qu'il est pété, bah tu prends ton arme cinétique. Ok. Ah oui, ça le... Ok, d'accord. Ça arrive, je bosse, tranquille. Ah, parce que ouais. Forcément, je cherche. Non, mais, hey, déjà, c'est un perso test pour le stream. Enfin, pour ce stream, tu vois, pour montrer un petit peu pour jouer viteuf là. C'est pour montrer. Après, surtout qu'Hunter, il m'a expliqué que les différences d'armure, ce serait surtout entre les chasseurs et les. C'est visuel, les mages. Là, du coup, vu que bah, je suis connu pour aimer. Aïe. Pour aimer la personnalisation quand même, bah, j'ai pris chasseur parce que c'est celui qu'on aura le plus. En gros, il voulait pas le petit brassard de Warlock. Oui, ça apporte tout de suite la confusion, hein, d'accord. Non, puis même, chasseur, c'est. Enfin, vu que je vais jouer solo un peu quand même, et les potes, ça viendra après. Personne ne joue avec moi de toute façon. C'est bien pour faire les deux chasseurs. Puis bon, j'ai testé un petit peu le titan chez Fufu, donc faut bien que je change aussi pour moi. Oui, sa tête, hein. Oui, bah c'est bon, t'as cru que j'étais un bon joueur ou quoi? Prendre une place de vrai bonhomme, genre titan ou titan. Ouais, bah j'ai failli cliquer. Hey. Franchement, c'est à cause d'Hunter. Il m'aurait pas dit qu'il y avait des différences d'armure extrêmement changeantes. J'aurais pris Titan. Hein. Il y a une preuve, hein. Tu peux pas dire, tu peux rien dire. Tu peux monter, s'il te plaît. Tu peux. Ok, voilà, on va te laisser soude. Gratuit. Ok, j'ai compris ce que fait. Le titan il est sympa à jouer aussi. Hein. Même si j'aurais bien vu autre chose en ulti pour le titan, mais. Ah, mais je pense que t'as joué avec le bouclier, non? Ouais, quand j'ai joué, moi c'était le. Non, l'ulti c'était les deux points. Ah oui. Mais pour les titans, je sais pas, je trouve. Je sais pas. Alors, comme j'ai dit, après au-dessus ils ont une autre variante de l'ulti. Ouais. Tu te balances en tant que missile au sol. Ah. Ouh. Stylé ça. Oui. Mais bon, c'est pas le plus utile, on va dire. Ah. Il y a des dégâts de chute. Oui. Ok, donc j'ai bien fait de faire un petit saut. Oui. Avant de m'écraser comme une merde et de mourir. Sachant que tu es un. Oui, tu es un chasseur, donc tu as le moins de vie, je crois. Oh, j'ai pas de conneries. De trois classes. Oui, bah après titan logique. Ça va, c'est ça, j'ai oublié, on n'entend pas trop mes clics. Déjà sur Discord, je les entends pas. Ok. Je sais pas pourquoi je parle un peu comme Renault, mais ok. Toujours de vous. Ah, toujours de vous, toujours banane. Ça va. Ah, j'ai sauté dedans les turbines. Ok, j'ai failli mourir. C'est tout. Comme ça. Ah. Comme ça, il a dit. Il a dit comme ça, il a fait comme ça. Je suis un homme d'action, moi, monsieur. Non, t'entends pas les clics, mais le son du jeu est un poil fort par rapport à ta voix. Faut le dire, bordel. Non, mais au moins c'est bon. Destiny, c'est pas encore trop grave. Destiny, c'est la petite mise en bouche. C'est pas, ça me fait pas chier. Non, mais ah oui, parce que t'étais pas là. En gros, Elda, avant de lancer le stream, tu vois, j'ai mon PC qui a fait un peu de la merde. J'ai dû l'ouvrir et débrancher mon casque. Attends, mais ça se casse pas. Ah, vas-y, je finis. Et casque que je ne débranche jamais parce que bah, c'est de la merde. Et là, quand je l'ai rebranché. Non, mon PC m'a dit ah non.
Mais c'est au Tyrion qu'il faut que je chasse. Ah oui. Oui, mais il faut que tu sois au niveau là pour le Tyrion. Mais je vais mourir en fait. C'est pour ça. Non, si tu te mets dans le petit trou, c'est, tu es très bien en fait. Tu es... Non, non, mais c'est juste qu'il est derrière mon cul et j'ai eu peur. Ouais, et du coup, quand j'ai rebranché mon casque après, et bien j'ai eu une légère surprise qui s'appelle ça ne marche plus. Et du coup, le seul système là pour l'instant que j'ai trouvé pour avoir du son dans mon casque, c'est de le brancher à mon micro. Sauf que ça a niqué tous mes sons, tous mes sons tout court en fait. Du coup, tout refaire en 5 minutes sans avoir de retour ou quoi, on va dire que c'est un peu compliqué. Je vais pas te mentir. Ok, là-bas, je vais sprint, espèce de. Ah non, c'est pas ça. Mais bon, là normalement ça devrait être bon. Déjà en solo ça devrait être parfait du coup si j'ai baissé un peu le son du jeu. Ah, ça dépend si c'était un petit poil ou c'est un gigapoil. Mais normalement en multi aussi, du coup avec les poteaux ça devrait être. Ouais, c'est mec. C'est juste. De toute façon, je l'ai dit, hein, ça servirait vraiment de. De stream. Au moins ça me sert un petit peu de stream test pour recommencer, enfin pour refaire mes balances son. Comment allons-nous nous en sortir? C'est impossible. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi ça me, oula, moi ça me sert un petit peu de tuto, de gros tuto bien expliqué là. Alors voici Dominus Gaul. Non, j'ai pari. C'est bon, j'ai pari. Eh oh, tu me touches pas là par contre, je te nique moi. Il se passe quelque chose. Non, t'as cru que j'avais pas vu? En gros, là, il vient de te niquer ton pouvoir de lumière. Haha, super. Attends, c'est-à-dire que je peux mourir? Oui. Tu as tout compris, bravo. Laisse-moi réitérer ma phrase et dire moyen bien. Vous êtes faible. Putain, il kick comme Géo en plus ce chien, eh oh. Retranché derrière. Alors, tu as fait une bonne chute là, je veux juste dire ça comme ça. Hein. Qui ont oublié. Il ressemble au méchant dans Gears of War. De mourir. Voilà. Auguste, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Oh. Non, petit robot que j'aime bien. Non. Ah. Attends, les gardiens ne méritent attends, pas. Attends, fais pas que je crie, j'ai envie de me crier, j'ai envie de crier moi. Mec, s'inquiète du rôle. Bah oui. Ouais. J'ai pari. J'ai pari. Mais vas-y, il aurait pu l'appeler tous. Ils oublient le peuple français aussi, putain. On est en 2019, la France est partout maintenant. S'il vous plaît, n'appelez pas un ennemi Gaul. C'est rigolo, la Gaul. La Gaul, c'est français. Enfin, bah oui, ah bon. Je pense à Astérix, bien entendu. Astérix, c'est marrant. Voilà. La Gaul. Putain, c'est comme l'Audi là. Itron. Des barres. Ah, pas plus de chèque-le la France, 8-9. Non, trop demandé ça. Putain. On peut pas avoir de belles choses. Je sais pas, ils auraient pu l'appeler Dark Maul, tu vois, c'est bien Dark Maul, c'est joli Dark Maul. C'est déjà pris, je peux pas le savoir. Oui, voilà. Ah, c'est bon, ils mettent un petit 2 à côté, ça va. C'est 9. Pourquoi il y a Félix? Pourquoi je passe d'un MMO avec des armes à l'épée là? Oh. Chut, écoute la musique. Oui, elle est belle la musique, j'aime bien. Ça va passer à Witcher 3. Where is my Lelelei? Lelelei. Dans ta gâte, ils sont arrivés. Ah, je ne comprends rien et je vois et j'ai mal aux yeux. Ça a changé les Odyssées grecques. Hein. Oh, Narnia. Non, c'est super joli en vrai. J'aime beaucoup l'art style. Quelqu'un a posé dans la forge profonde, tiens. Ah, le jeu. Deux jours après la... Alors, oui. Oui. Ah, je suis pas mort, yes. C'est un gros coma.
Ouais, 2 jours de sommeil, mon gars. Alors j'aimerais bien un pack de vie. Pour pas avoir... Ça va prendre très longtemps là quand même. Merde. Oui. Bienvenue dans la partie chiante du tuto. Hein. Eh, je suis là. Eh oh. Eh, l'homme qui n'aimait pas la vie. Voilà. Non mais on peut discuter entre temps, voilà. Qu'as-tu fait aujourd'hui par exemple, mon Hunter? Eh bien j'ai travaillé. Ah yes, il a comme, charbonné. Comme... Voilà, comme toute personne qui se respecte, hein. Oui. Oui. Peu de problème, moi aussi j'ai travaillé aujourd'hui. En classe. Avec mes camarades de classe. Camarades de classe, oui. Ouais, ouais, oh. Qu'entends-tu par là? Aujourd'hui, j'ai eu des partenaires pour un futur oral. Magnifique. Yes. Voilà, je vais encore rien faire. C'est un mensonge, je travaille beaucoup. Okay, t'as besoin de t'arrêter, ils ont bien fait leur truc. Bon, c'est déjà assez long comme ça, donc... Manquerait plus que t'aies besoin... Eh, je suis là, hein. Ah mais non, il est pas mort, ça va bien. Regarde, il fait un boucan pas possible avec ses lumières à la con. Et moi qui vais le finir, ouais. Aïe. Gardienne. J'ai chu. Vous êtes en vie. Je croyais vous avoir perdu. Je peux vous guérir. Mais je ne peux plus vous réanimer. D'accord, bah j'allais poser la question. Oula, pff, ok, le, attends. Le mec, il m'a direct tué pas avec un lance-roquette. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Ah, donc j'ai plus de double jump. Ah, mais c'est la merde. Vu que tu n'as plus de pouvoir de lumière, oui, tu n'as. Non. La Légion Rouge exécute les gardiens sans défense. Nous devons partir d'ici. Par contre, la Légion Rouge. Et tranquille, hein. Ils ont des heures sombres des gardiens, hein. Ouais. Tu remplaces Gaulle par Staline, et c'est bon, hein. Ce sont les coordonnées d'un point de rendez-vous. Ils évacuent la planète. Ça, c'est super beau, par contre. Nous devons nous y rendre. C'est super mélancolique et beau. Pas ce que j'attends en jouant à Destiny, mais bon, bah, je prends, hein. Quatre jours après, mais qu'est-ce que t'as foutu? Eh ouais, mes 2 jours, ils sont partis où là? Bah tu es parti. J'aimerais bien les faire à pied, moi. Tu veux que j'ai à foutre dans ma vie? Est-ce ça va dans la graffeuse. Est-ce que tu veux passer 2 heures à marcher lentement? Oui. Non, ah non. Oh, ça dépend. Trop tard, t'as dit trop tard. Elle est super jolie, mon agrafeuse. Une petite agrafeuse nerf. En plus, t'as dit bien. Ils n'avaient aucune chance sans leur pouvoir. Tu te moques ta jean, mais t'es jaloux, je suis sûr que tu voudras même. Gardien, ça va sinon si vous mourrez, ah yes. Ouais, si vous mourrez. Allez. Canon sur la tempe. Ouais, si je meurs, tu vas faire quoi? Let's go. Let's go. Bon, voilà, ça t'explique les zones de boss sans lumière, etc. Ouais, non, mais pour moi le. Non, calme-toi. Qu'est-ce que j'aime bien les... Je crois que c'est mes armes préférées, les pistolets mitrailleurs dans le jeu là. Les SMG sont cool. Ouais, non, c'est clairement un plaisir de tirer à vue, de vider un chargeur et ça fait... C'est... Tu t'arrêtes pas, quoi. Enfin... Donnez-moi tous vos exotiques pistolets mitrailleurs, les gars, s'il vous plaît. Je veux le meilleur, je veux... Aidez-moi. Putain, t'imagines, il y a des streamers connus, ils disent ça et ils ont 45 exotiques dans leur inventaire après. Tu peux pas envoyer. Ah merde.
Ah, y'a pas de poste. Oh, en fait, dommage, tu peux t'envoyer des objets entre tes persos sur ton compte, mais par exemple, un pote ne peut rien t'envoyer. Ah, c'est dommage, enfin, c'est dommage. Après, ça évite le PL hard comme un porc, mais. Encore ce faucon. Voilà. On dirait qu'il nous suit. Non, je tue une petite putain de merde là. Qui le suivions. Ouais, bon, ouais, bon, ok, ouais, c'est. Ouais. C'est une vision des choses, hein. Après, au moins, tout le monde doit farmer, ça c'est tant mieux, ça. Moi, tu verras pas les mecs à 10k viewers à dire ah, hé les gars, envoyez-moi vos exotiques. Ils en reçoivent dans la minute. Non, nique ta mère, va farm comme tout le monde, sale chien. Wouah. Je suis quand même super bon public. Je te conseille d'écouter la musique. Ah non, mais c'est dans mes oreilles, c'est très 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 beau. T'as peut-être parti en bébé. J'ai l'impression de taper ma meilleure épopée dans Skyrim, mais c'est super joli. Souviens-toi des 10 000 marches. Là où t'as un loup qui t'agresse pour des raisons inconnues. Ah, j'ai même plus d'ulti ni rien, vraiment j'ai que dalle. Oui, bah non, oui, t'as plus. Ah, c'est quand même mon cac. Je sais pas si tu vois sur cet SMG quand tu tires la petite bulle là, quand tes munitions baissent, tu vois ça le liquide. Ah oui. Il baisse aussi. Ah, c'est génial ça. Ouais. Enfin, j'ai fait génial non, mais c'est j'aime sympa. Bien. Ah, j'aime bien. C'est sympa, oui. Voilà, y'a rien non plus. Que j'ai en plus fort, mais bon, j'ai moins de kills dessus sur le compteur stat track. Ah, ça y est, hey, j'ai plus de 1500 kills dessus. Non, regardez, mais c'est moi aussi, fait, j'ai 1500 kills. Hein. Oh, mais le truc, c'est que soit j'upgrade mon arme à mes 1500 kills et je loupe les composants que je peux choper sur une arme dorée. Ou alors, soit bah, le jeu grade et puis bah c'est non. T'es mauvais. Mais vas-y, le perso il a des mains, c'est des pains au raisin, je jure que c'est pas accroché là. Je vais te pas mentir, c'est un script. Oh, regarde. Ouais, je sais. Quelqu'un a laissé traîner une gardienne en parfait état. La situation doit être pire que ce que je... Franchement, je la vois, je vomis, hein. Vraiment, hein. Je la sauve tellement pas, mon pote. Ou alors avec un but en tête, mais c'est pas assez. Enfin, je dis pas haute voix quoi. Oh les yeux quoi. Non, mais les yeux, elle voit la matrice hein. Tu vois que ça dans la nuit quoi. Elle voit la gaule hein, si tu veux. Que voient tes yeux? Elle voit la gaule. Oh merde, elle voit super loin. Vous êtes en état de voler? Elle vous aurez sûrement besoin de ça aussi. C'est pour ça que je préfère quand il y a quand même un petit peu de doublage, parce que bah là t'as l'air d'un con quoi. Bah ça... Hochement de tête. As-tu vu tout ce que j'ai accompli, voyageur? Accorde-moi ta lumière. La panjade. Après, Thanos, s'il accomplit plus, il se fait péter la gueule, hein, donc calme-toi. Parle-moi. Et tes vrais gardiens. Il y a quand même un petit flow, hein. Ah non, il a un flow légendaire, l'enculé, hein. Avec son crâne en peau de couille, là. Dominus. Oh, c'est pas... La cité est sécurisée. C'est des couilles. Nous pourchassons ceux qui ont... C'est une couille. C'est quoi cette merde derrière là? Ont été exécutés. On dirait... putain, c'est, on dirait Jabba le Hutt mais qui a poussé à la salle. Ah non, ça c'est les épaulettes, hein. Que la mienne, mon vieil ami. Oui, non, mais enfin... Il ne reste plus qu'à terminer cette cage.
Ok. Oui, non, mais je te comprends. Ah, mais t'es pas drôle aussi, tu n'aimes pas l'humour. Nul. Et pourront le prendre à notre compte. Par contre, pourquoi il a le masque de Bane? Il l'appelle le voyageur. Parce qu'il filait trop dark, c'est pour ça, il voit de la lumière. Tu crois que si tu l'enlèves, il meurt? Et ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées, comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, ils le prennent pour un dieu. Dominus. Et voilà, donc encore petit point là-haut, hein. Cole. Toi et moi avons passé... Mais vas-y, mais c'est marrant aussi, j'ai pas rien, société, allez, c'est qu'à... Mec, on dirait un putain de dialogue homoérotique, Dominus. Cole. Ensemble. Jean-Jacques, tu te calmes sur les... Jean-Jacques, range toi. Avant, ça me fait jamais rire, mais à cause de toi, voilà. Bravo, merci. Ah, mais y'a pas de problème. Franchement, y'a pas de problème. Que te faut-il d'autre, Dominus? Un harem complet. J'aimerais monter. Ah ouais, mais c'est chaud, tu passes en mal. Il a un protège, t'es vu. Ah, merde, j'ai pas vu. Dwelly, tu regardais quoi? Qu'est-ce que tu regardais pour tomber sur le protège-tubi de ce Dominus? C'est donc toi, la voix du voyageur. Oui, c'est le prophète, je crois que ça doit être le prophète, son titre. En gros, c'est le, on va dire, le visage, enfin l'interprète du voyageur. Ah, stylé. Attends, mais il vient de capturer Peter Dinklage, là. Rends mon Peter, tu rends mon nain, c'est le mien, à moi tout seul. Non mais oh, t'as qu'à trouver le tien. Il est pas grand mais il est joli. Nous approchons de la zone morte européenne. Ça va être notre nouveau foyer pendant... Ils approchent de la Meuse. Regardez, vous reconnaissez? C'est là-bas. Oui, bon, j'aurais pu aussi dire Diagonale du vide, mais... Ce truc, blague géographie. Le fragment du voyageur. Moi, j'appelle ça un lieu où j'éviterais de mettre les pieds. Ah. Bon, ça va, j'ai eu aucune perte d'image. Oui. C'est cool. Je dirais que préparer pour dans 5 minutes. Et en gros, voilà, là tu as fini le tutoriel. Eh ben, putain, il dure quand même pas mal de temps, hein. Yes. Il dure une petite heure et demie, en fait. Ce qui n'est clairement pas mal. Yes. Hop, ça, voilà. Bah, du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que bah, là, pour 5 minutes, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à foutre. Non, après, ça sera vraiment continuer la quête. Ouais. Bah, du coup, c'était vraiment très gentil de ta part, parce que après, tu vas partir en D&D, c'est ça? Ouais, dans une heure, tranquillement. Ah, bah, tu vas pouvoir me regarder créer un personnage magnifique. Yes. Mais en tout cas, c'était très gentil de ta part de venir m'aiguiller dans mes choix et de montrer un peu comment le jeu il marchait. Bon, c'est quand... comment dire? Quand surface, mais c'est quand même très sympa de ta part. Tu m'as ralasse de tes conseils. J'en suis très content. T'inquiète demain si tu veux, je t'aide. Yes, non, non, mais là, là je vais m'amuser. Je sais pas si je ferai du Seeking City du coup. Parce que je pense que le... Ah, on peut pop dessus. Je pense que la création de perso, ça va legit me prendre longtemps, en fait. Du coup, je pense que je vais peut-être... Si je m'amuse bien sur Code Vein, je pense que j'en ferai pendant l'horrible octobre du Singing City pour le finir. Bon, Inch'Allah, on verra bien tout à l'heure. Hein. Du coup, tu peux faire des bisous. Hein, tu peux dire la bisette.
Oui, même si c'est des groupes PD, hein, tous. Allez. Parfait. Yes. Allez, les coupings. Ouais, je me casse. Un bisou. Voilà, voilà, je suis parti. Du coup, nous, tous ensemble, retour au bureau. Hop, voilà. Du coup, moi, je vais arrêter l'enregistrement et dire bisous YouTube.